et qui est venu spécialement pour toi, Ricky, pour chanter cette chanson. C'est le meilleur. Le meilleur. C'est le meilleur. Une chanson aussi pour ce Viva Latino. Elle s'appelle Nathalie Cardone. Elle est superbe. Ah oui, tu la connais, bien entendu. Et la chanson, vous allez la chanter avec elle. Voici Hasta Siempre, Nathalie Cardone. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos. Y como Fidel te decimos. Hasta siempre. Hasta siempre, Nathalie Cardone, chanson de Carlos Puebla. Salut Nathalie. Bonsoir. Ça va mieux? Ah ben, ça va mieux.
Comment ça se fait qu'à chaque fois, ou pratiquement, que vous venez nous voir ici, vous avez une sorte d'angoisse ou d'inquiétude qui précède chaque fois la prestation et la chanson? C'est... Quand je demande un revolver. Oui, parce que juste avant, il faut vous dire que juste avant de chanter, Nathalie me dit, est-ce que je peux avoir un revolver? Alors, c'était contre moi ou c'était pour vous, Nathalie? C'était contre moi, évidemment. Ouais. J'ai toujours beaucoup le trac et surtout, je savais que je faisais un plateau avec vous et puis je suis encore impressionnée par... Pareil que ça a son charme, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal encore à... Ouais. Diva Latino, est-ce que cette musique, cette chanson, c'est un peu le fruit du hasard? Ou est-ce que c'est rythme? Est-ce que Cuba, nous étions ensemble d'ailleurs à Cuba il y a quelques mois de cela, est-ce que de tout temps ça vous séduisait? Cuba, oui. Les rythmes cubains, moi j'aime plutôt l'histoire de Cuba, oui. J'aime le sang latin puisque je suis moi-même sicilienne et andalouse, mais, bah alors, Viva mais Latino, l'histoire... C'est fait pour vous. Le premier album sort le 19 octobre, hein. Oui. Déjà une chanson, ça y est, grimpe. Est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'il aurait été difficile justement de se débarrasser de Hasta Siempre en quelque sorte, non? J'ai essayé avec Populaire justement le deuxième single de casser l'image et puis bon, moi je suis quand même comédienne et j'aime bien surprendre et puis c'est pas fini. Alors vous viendrez bientôt dans les années tubes pour chanter la chanson, pour merci. Nous parler de votre carrière au cinéma. Oui. Merci d'être venu en merci tout cas beaucoup. Pour évoquer non, le Che et Cuba. Je vais vous raconter une petite histoire. L'interprète que nous allons maintenant accueillir, Nathalie, il a 3 ans de carrière. Hein. Et en 3 ans de carrière, il a vendu 10 millions de disques. C'est pas mal, hein? Ah, c'est très bien. Hein, on peut trouver pire. Ouais. Alors, il a décidé de venir chanter pour nous ce soir, pour fêter le thème de cette émission. C'est d'ailleurs la bande originale en France du film Le Mystère de l'Ouest, Wild Wild West. Voici Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, bailamos!